quand même pas évident la charbonne pendant les tots. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident en ce moment. Non, je déconne, c'est vrai qu'on s'en fout plein les fouilles. On s'en fout plein les fouilles de l'argent avec les tots. Oh oui, de l'argent. De l'argent. Si tu veux avoir autant de chance que moi durant les tâches, je te conseille d'aller sur IGVote, 6% de réduction avec le code Robert87000 ou le code Robert6, le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est Robert87000, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vidéo d'achat-revente. Vous me l'avez tellement demandé, mais je pense que vous l'avez compris. Avec la petite intro, en tout cas, on se retrouve pour vous parler des tots et comment gagner des crédits pendant les tots. J'ai essayé de chercher un maximum de combinaisons, même si c'est vrai que je n'avais pas énormément de crédits sur PS4. Alors, donc, voilà ce que j'avais investi. Donc, ce que j'ai investi, donc, je vais vous expliquer un peu les différentes techs. Donc, il y a Ayoub, hein, Ayoub Tech Spéciaux, vraiment traditionnel, chopé à 12 000, revendu à 17 750. En tout cas, je pense qu'au moment où je vous le dis, je mettrai le screenshot parce que je l'avais enregistré. Icardi Tech Spéciaux, simple, hein, chopé 11 000, revendu 12 005, pas grand chose à dire. NDD, c'est un combo que je vais vous expliquer tout à l'heure. Diamanti, c'est pareil, c'est de la tech spéciaux traditionnelle. Veltman, c'est tout simplement le TOTS que j'ai chopé hier, donc lui, il ne compte pas. Et les petits trois derniers, c'est une tech, à mon avis, qui va vous rapporter beaucoup de crédits avec tout simplement des petits joueurs bronze revendus 6004 ou 6005, tout simplement parce qu'ils ont énormément de contrats et souvent un style supplémentaire, parce que les joueurs veulent s'en débarrasser absolument et le mettre au prix minimum à 5006. Donc je vais vous expliquer tout ça, les différentes techs. On va commencer par le plus simple, la tech spéciaux normale. Donc tech spéciaux, vous continuez à faire exactement les mêmes championnats qu'avant, vous mettez à 11 250 et vous allez chercher les joueurs que vous avez peu l'habitude de voir. Donc vous mettez à 11 250, ça fait bizarre à dire comme ça, mais en tout cas au bout d'un moment vous allez connaître les joueurs. Là par exemple, là on sait que sur la Barclays Premier League, il va y avoir du Gomez, il va y avoir du Tadic qui vont tomber énormément, plus toutes les cartes vertes, on s'en fout complètement, on ne les prend pas. Du Clark également qui tombe souvent. Le Pantymillion par exemple est plus rare, d'accord, voilà, vous allez en avoir que de temps en temps. Puis s'il a mur par exemple, lui peut être intéressant. Vérifiez juste son prix tout simplement via Futbin pour voir si tout simplement il n'y a pas une baisse au niveau du prix. Vous allez à une heure et vous allez regarder s'il n'y a pas de joueurs sympas. Vous faites la même chose pour Ligue 1, vous faites la même chose pour Serie A, Bundesliga, vous faites Ligue BVA, vous faites ALG League. Alors attention ALG League, maintenant vous avez un petit toast qui vient nous embêter. En plus en ce moment il y a énormément d'erreurs de prix sur les ALG League, tout simplement ils ont augmenté de prix. Je pense à Alsoma par exemple sur PS4 qui est à 35 000 crédits quasiment, alors qu'on va pouvoir trouver des erreurs de prix à plus de 20 000 crédits, hein, parce que normalement il y a peu de temps ils en ont encore 15 16 000. Donc il y a de grosses erreurs de prix. D1 russe, ben là c'est pareil. Là c'est, on s'en fout, hein, le bronze lui on s'en fout. Vous allez à une heure et vous allez regarder par exemple, là il y en a un, voilà, il y a un Bastos. Vous regardez son prix, vous voyez qu'il est à, il a quoi, il a 12 000 à peu près, hein, il a 12 000, il n'y en a pas 50 non plus, hein. Voilà, il est à 12 000, donc là par exemple je l'achète à 11 000 et je vais le remettre à 12 500 à peu près et il va se revendre sans difficulté. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut faire pour pouvoir gagner des crédits. Donc ça c'est la tech spéciaux, ça, je vous remonte juste les championnats, donc D1 russe. Vous pouvez faire également la Pologne, là on vous baisse complètement et vous allez chercher par exemple le buteur là, Tots, qui marche plutôt pas trop mal. Vous allez faire également l'Eurodivisie où il y a quand même beaucoup d'erreurs de prix, beaucoup d'erreurs des prix. Vous allez voir, là par exemple Andersen, faudrait l'acheter. Ensuite vous faites hop, Liganos, Ligue Ukraine, hein, aussi, parce que Ukraine, là si on monte un tout petit peu, vous allez voir qu'il y a Marlos qui est là. Vous voyez, il y a Marlos et donc il y a pas mal d'erreurs de prix dessus, donc n'hésitez pas à rajouter la Ligue Ukraine. Vous faites MLS, vous faites Super League et vous faites au Bundesliga. Voilà. Ensuite, les combos TOTS. Alors, les combos TOTS, je me les suis marqués là parce que bon, évidemment, je me les souviens pas tous par cœur. Donc, on va commencer par un simple, hein. Un que j'ai cherché rapidement, j'aurais dû commencer dans l'autre sens. Donc là vous allez juste vous mettre ces défenseurs, hein, je crois, voilà. Et là vous allez voir que en RFSN SL vous allez pouvoir tomber sur du Sushi ou du Gym City, je sais pas comment ça se prononce exactement. Vous mettez à 11 000 crédits et vous allez pouvoir faire en fonction des plateformes, vous adapter. Si évidemment c'est 11 000 le prix minimum, ben, vous baissez à 10 000. Hop, je suis allé un peu haut et ça va vous permettre de tomber soit sur Sushi, soit sur, j'ai perdu le nom de l'autre joueur. Allez,
C'est à 12002 là, voilà, Gym City, voilà. Donc là, vous, moi personnellement, je vous conseille de vous mettre vers ouais, 11000, 11005. Et là, vous allez spammer, pareil. Et vous allez tomber très souvent sur Sushi où il y a énormément d'erreurs de prix dessus. Ça, c'est le premier combo TOTS. Deuxième combo, c'est tout simplement Nigeria et spéciaux. Donc là, vous allez pouvoir tomber soit sur NDD, soit sur KOD. Vous mettez à 8000, hein, c'est important de se mettre vers les 8000. Oh, j'ai passé, vous voyez, 7000. Regardez, et le temps qui reste. Le temps qui reste, voilà. Il est resté plus de 10 secondes, 10-15 secondes, avec une erreur de prix de plus de 1500. Vous voyez à quel point c'est facile. Vous mettez vers... c'est important de se mettre au-dessus de 8000. Parce que tout simplement, si vous mettez au-dessus de 8000, vous n'allez pas pouvoir tomber sur son copain. Je sais jamais comment il s'appelle, je perds toujours son nom. Mais hop, on va aller le chercher, bougez pas. Son nom est Senko Yate, je crois. C'est KOD, voilà. KOD, sa fourchette de prix est à 8000. Donc, c'est important de vous mettre à 8002, 8003 pour avoir une chance de pouvoir tomber également dessus. C'est quand même, à mes yeux, important de pouvoir spammer et d'avoir la possibilité de tomber avec une très grosse erreur de prix sur KOD. Donc, vous mettez à 8002, voilà, 8100, 8002. Vous spammez. En fonction du prix à 8100, je vous conseille de ne pas trop l'acheter. Vous l'achetez si c'est au-dessous de 8000. Mais évidemment, si c'est KOD, vous jetez dessus pour l'acheter. Vous pouvez également monter un tout petit peu plus haut et chercher vers les 12000. Et vous allez pouvoir, en plus de tomber sur NDD, en allant directement vous allez vers la fin, vous allez voir que vers 14000, vous allez avoir du Enyama qui va vous venir se rajouter. Vous voyez, si on va à 14000, voilà, il y a Enyama à 83 et à 82 qui viennent se rajouter. Donc à 83, c'est intéressant. Et si vous augmentez un tout petit peu, vous allez pouvoir avoir l'autre BU, c'est quoi? C'est Igalo, un truc comme ça, son nom. Voilà, c'est Igalo qui va pouvoir se rajouter. Donc n'hésitez pas à vous mettre soit à 8100, 8200 pour pouvoir avoir une chance de pouvoir tomber sur KOD, soit de vous mettre à 12000 et comme ça vous allez pouvoir avoir des chances de tomber sur NDD, sur KOD. Et en plus de tomber sur Igalo et Enyama, vous allez directement à 1h et ce que vous pouvez faire, c'est de rester à 1h et juste faire carré, carré croix, carré rond, pardon, et vous allez actualiser comme ça et avoir une chance de tomber sur ces joueurs-là. Ça, c'est le deuxième combo. Hop, donc là, il n'y a personne. Et normalement, il y a Vardy qui a 60 000 crédits. Et vous allez avoir d'ailleurs qui est un peu près dans les mêmes prix. Donc là, évidemment, ils ont été champions, donc le prix a sûrement augmenté de Vardy, non, un peu. Voilà. Donc là, vous avez Drinkwater à 68 000, en sachant qu'il est super intéressant, on a Drinkwater. Voilà, super intéressant, non, mais en tout cas, il est à 60... Ouais, non. Donc là, vous voyez qu'ils sont exactement au même prix. Hein, exactement au même prix. Donc là, vous mettez vers les 63-64 et vous allez spammer, pareil. Et vous allez avoir une chance de tomber soit sur Drinkwater, qui est encore dans les packs, donc il peut tomber assez régulièrement, et Vardy, qui peut tomber également, sans oublier que toutes les cartes de Vardy peuvent tomber, parce que même sa carte Record Breaker, avec une énorme erreur de prix, je crois que sa carte Record Breaker doit être à 50 000 ou 60 000, je sais plus, à regarder, mais c'est quelque chose dans ces prix-là, donc on peut même, en étant à 65 000, je pense, tomber dessus. Alors vraiment, ça serait une grosse erreur de prix, mais c'est déjà arrivé d'avoir des cartes au prix minimum. Donc ça, c'est un combo que j'aime beaucoup. Malheureusement, j'ai pas encore assez de crédit, je suis un peu pauvre, mais je suis certain qu'il va pouvoir vous rapporter pas mal de crédits à ceux qui ont des crédits. Un autre petit combo, donc là un peu pour les plus pauvres hein, comme moi. Donc là vous allez vous mettre Pays-Bas, pardon. Donc là vous cherchez Pays-Bas, vous faites défenseur. Et là, vous allez avoir énormément de joueurs qui peuvent tomber. Je vous mettrai la liste, je pense, ou sinon je vais vous mettre un screenshot de tous les joueurs qui peuvent tomber, qui sont entre 12 000 et 20 000 crédits en ce moment en défenseur des Pays-Bas. Donc là, il y a Van Polen qui est à 12 000, en sachant que même lui, je pense qu'il est déjà intéressant à 12 000. Vous voyez, 12 000, il est intéressant parce qu'à 13 000, il n'y a rien. Bon, malheureusement, j'ai pas assez de crédits, sinon je l'achèterai. Van Polen, toujours personne d'autre. Vous voyez, à 14 000 en général, il y a du monde. Voilà, il y a en général... Ledger qui est là à 14 000, qui est à peu près entre 13 et 15 000, hein, ça va dépendre des moments, et encore même, vous voyez son prix là à l'heure actuelle à 14 000. Vous avez évidemment Van Aert, vous avez donc Van Polen qu'il faudrait acheter, mais malheureusement j'ai pas assez. Et si vous montez encore un tout petit peu plus haut, vous allez avoir Vetman qui va venir se rajouter. Donc vers les 16 000, vous avez Vetman en général. Hop, on va en trouver, je pense, du Vetman. Ah mais il a augmenté encore un peu, mais bon. Il va pas être beaucoup plus haut, hein. Si je monte à 16 750 à mon avis, il y a du Vanderville, après si vous augmentez un tout petit peu, et vous avez, bah, il est où notre ami Vetman, c'est qu'il a pas mal augmenté,
Ou ceux que je l'ai pas vu peut-être. Non. Bon voilà. Bon, vous avez Vanderville également. On va augmenter hein, du 7000. Hein, on n'est pas à ça près. Il va y avoir du Vetman. C'est une certitude. À part si vraiment tout ça. Voilà. Vetman. C'est que son prix est en train un peu d'augmenter aux copains. 17 500. Donc il y a Vetman également. Donc je vous conseille de vous mettre vers les 13 000. Bon là on voit qu'il y a Vanpollen, mais il faudrait l'acheter. Vous mettez à 13 000 et là vous allez spammer, vous allez pouvoir tomber sur tous ces joueurs en même temps. La liste, je vous aurais mis le screenshot sur la vidéo et ça va vous permettre de pouvoir gagner beaucoup de crédits. Donc ça c'est quand même des combos qui sont plutôt intéressants. N'hésitez pas à faire l'autre technique que je vais vous montrer. C'est tout simplement, vous allez vous mettre en maximum, donc à 5006. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça, c'est la dernière tech. Donc 5006, vous mettez à 5006. Et vous allez chercher tous les joueurs spéciaux. Et vous allez regarder ceux qui ont beaucoup de contrats. Donc là, il n'y a pas... là, il n'y a que 18, ça suffit pas. Il faut au moins des contrats et du style. Et vous allez voir qu'il y en a énormément qui veulent s'en débarrasser absolument parce qu'ils sont pressés de vendre leurs joueurs bronze. Et vous allez voir qu'il va y avoir des joueurs avec vraiment des belles cartes, des très très belles cartes. Et vous allez tout simplement les acheter pour pouvoir les remettre. Vous vous occupez que des tots, hein. Tous les autres, vous en foutez complètement. Vous, c'est les tots, voilà. Voilà. Là, on a Lukács, par exemple, 5006. Faut l'acheter et tu le remets à 6005. Voilà, c'est simple. Malheureusement, j'ai pas assez. Pareil. Pas pareil. Soit vous l'achetez, vous le remettez à 6002, 6003, ça fera que 300 crédits, 300, 400 crédits de bénéfice. Mais vous pouvez pas le mettre au même prix que les autres. Faut vraiment qu'il ait un style en plus. Lui, il a pas de style malheureusement, donc on ne le prend pas. Voilà, on est à Cortés à 92 et 98. Donc là, il faut l'acheter également et vous le remettez à 6005. Vous pouvez augmenter un peu plus, hein. Pour le moment, moi j'ai fait les tests en mettant à 6005, ça part. Voilà, hein, en Eurolistage, j'en ai acheté 10, je crois, au total. Et il y en a 3 qui sont partis, donc c'est quand même... Si on arrivait à vendre 30% des joueurs comme ça, je pense qu'on pourrait gagner pas mal de crédits. N'hésitez pas à aller jusqu'à 2 jours, parce que souvent, ceux-là ont mis des grosses cartes, mais c'est complètement bête, parce qu'en général, ces cartes-là se vendent dans la dernière heure. Bah, là, c'est pas intéressant, on le catch à ce moment-là, et ça va vous permettre de gagner des crédits. Donc vous faites ça, vous passez, et vous actualisez. N'hésitez pas, voilà, à chercher, vous allez tomber également sur du joueur et vous allez pouvoir gagner pas mal de crédits. J'espère en tout cas que tous ces conseils vont vous permettre de gagner pas mal de crédits. Juste, j'avais noté également des joueurs comme ça que vous pouvez faire en tech 59 simple où il n'y a pas une concurrence de folie non plus. Dans les petits, il y a Moussigno que vous pouvez faire, donc NDD je vous ai montré. Al Rouali, c'est celui qui est en LG League et qui marche plutôt bien avec pas mal d'erreurs de prix et pas en tout cas de grosses difficultés dessus. Vous avez Sushi, vous avez Pizarro qui fonctionne bien, il y a Vetman évidemment. Il y a Ruiz qui fonctionne très bien en tech 59 dessus. Et Funes Mori, voilà, dans les petits budgets, c'est vraiment les touches que je vous conseille à faire et qui vont vous permettre de gagner pas mal de crédits. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une autre vidéo comme ça, quand il y aura d'autres touches qui vont sortir avec de nouveaux combos. J'espère en tout cas que ça va vous permettre de gagner pas mal de crédits, surtout la dernière petite tech là, en vous mettant à 5-6 et en cherchant les joueurs qui ont 99 contrats et 90, on va dire 90 de contrats et 90 de forme et au moins un style. Et vous allez voir que vous allez gagner beaucoup de crédits dessus parce que j'ai l'impression que ça peut être une énorme tech pour les tots, une énorme tech pour les tots, je vous dis, avec tous les joueurs bronze qui vont sortir comme ça à 5006. Vu qu'ils sont pris le plus bas, vous réussirez forcément à les revendre. Si vous les mettez à 5009 ou à 6000, ils vont partir comme des petits pains. Mais là, je vous dis, 6000, entre 6005 et 7000, vous allez gagner encore plus de crédit. C'était Robert87000 comme d'habitude, et pensez à exploser la barre de like. Moi, je vous fais des bisous. Ciao les gars. Combo bonus pour ceux qui auront la patience de rester jusqu'au bout de la vidéo et qui aiment mon petit bisou du départ. Donc juste un petit combo pour vous qui avez été patient à regarder jusqu'à la fin. Ce petit combo, c'est tout simplement Écosse et buteur qui va vous permettre de gagner pas mal de crédits. Tout simplement, si on fait à 20 500, il y a du Fletcher, vous voyez, qui nous embête un petit peu, mais c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est qu'il y a deux tots qui sont exactement au même prix. Si on monte à 22 500, on va pouvoir tomber soit sur du McCormack, soit sur du Griffith, et qui vont pouvoir nous rapporter pas mal de crédits. Donc je vous conseille de vous mettre tout simplement à 20 500 et derrière juste de faire carré et rond, en tout cas pour ceux qui sont sur Xbox, et d'actualiser comme ça, et vous allez voir que vous allez tomber souvent soit sur du McCormack, soit sur des Griffith, et c'est un petit combo à mon avis qui va vous rapporter pas mal de crédits. J'espère en tout cas que ça vous plaît, les petits bonus comme hier j'ai fait avec Veltman, de vous le mettre à la toute fin de la vidéo pour récompenser ceux qui regardent jusqu'à la fin. Je ferai ça de plus en plus souvent avec des petits bonus, soit des petites outros, soit en tout cas des choses un peu différentes, par exemple un petit combo quand c'est de l'achat-revente. J'espère que ça vous plaît, je vous fais des bisous, ciao les gars.